some no ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Quelle est la mission ? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Inutile de se lancer dans une chasse aux fantômes. Ce n'était pas mon imagination. Seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir. Et pour le prêtre ? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Siver. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. À l'aide ! Au meurtre ! Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Siver est toujours en vie? Il a tué Monsieur de la Serre. Sois patient, Siver n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Pas bien. Le conseil à ton épreuve. Balance cette foutue bombe!
Moi, je préférerais mourir. Attends. Vous pouvez compter sur moi. Avance. Ils veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les. Évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Tu veux faire une pause ? Je ménage ton vieux cœur usé. Je ménage ton vieux cœur usé. Je ménage ton vieux cœur usé. Un an qu'on n'a pas vu Sivert, et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier? C'est pas le bon.
va bien, citoyen? Emma. Donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien faire. Trois autres Templiers ont été tués cette nuit. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. Les Templiers ont pris l'habitude de s'entretuer depuis 89. Une guerre civile chez les Templiers. Ils se croient capables de mettre terme à la guerre. Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Sivert. Sivert était là-bas? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Sivert. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Ah, Arnaud. La gazette et la lire loin d'ici. Je peux faire quelque chose pour vous? Quel est cet endroit? Il est relié au sanctuaire. C'est moins prestigieux que l'entrée de la Sainte-Chapelle, mais l'immeuble nous appartient. Il faisait partie de notre réseau d'information. Je dois dire qu'il a connu des jours meilleurs. Comment puis-je aider?
Je resterai à l'affût des occasions qui se présenteront. Vous pouvez aussi vous adresser au régisseur, afin de restaurer le bâtiment. C'est que je suis loin d'être riche en ce moment. L'argent que rapportera le café vous reviendra, et vous en ferez ce que vous voudrez. L'argent sera déposé dans le coffre du bureau, et plus vous restaurerez l'endroit... Plus l'affaire me rapportera. En effet. Vous découvrirez aussi qu'étendre nos activités dans d'autres quartiers rapportera des dividendes. Merci. Les maçons qui rénovent l'aile principale ont découvert une petite salle cachée derrière les cuisines. Ce qu'elle renferme pourrait vous intéresser. Les anciens propriétaires avaient manifestement muré une salle dans le grand hall. Ce qu'on y a trouvé devrait vous intéresser. Ce puits est à l'abandon depuis des années. Nous gagnerions beaucoup à disposer d'eau fraîche. Quelques fanatiques royalistes, se faisant appeler les Actes des Apôtres, ont décidé de brûler les livres. De nombreux manuscrits rares sont menacés. Retrouve mon agent Place Dauphine et sauve-en le plus possible. Nous saurons les mettre en lieu sûr. Allez chercher.
se passerait quelque chose d'important. Reste où tu es. Je ne suis pas un patriote. Regardez-le faire. Ils ont déjà brûlé l'essentiel de la bibliothèque de Monsieur Deschamps. Je vous en prie, sauvez ce qu'il reste. Du cœur, merci. Je prierai pour Dieu. Oh!
Je préfère voir les livres à l'une de nos informatrices est en danger. Elle travaille comme fille de cuisine près de la porte Saint-Denis. Espionne les aubergistes. Voici la soupçonne. Et en cas de danger, aide-la à s'enfuir. Et que faisait-il, je me le demande. Je l'ignore. C'était vers minuit. Il se tenait prêt. Il chuchotait. Monsieur avait l'air bouleversé. Il parlait des couvents. Il disait qu'ils allaient bientôt disparaître. Mes yeux me suivent des tours. Remets-toi. Quelle attention de votre part. Merci, merci. C'est manifeste toujours. J'ai fait quelques recherches. C'est un culte antique.
ici. Tout est sur la table. Agitation, Seigneur. Que se passe-t-il? La révolution! Et vite! Vous osez... Je vais t'étriper, Sanji! Il va se passer quelque chose de peu banal. Citoyens, on ne bouge plus. C'est maintenant qu'on va se... Qu'est-ce qui se passe? Thank you.
Tu vas souffrir, supplier. Amour, mon frère. Oh!
ta taverne hier soir. J'ai décidé que je ne... Que diable, ma foi. Je crois que nous sommes tous d'ailleurs. Maudite fille de cuisine. Claude a dit qu'il avait vu cacher un message sous un pavé. Je ne m'attendais pas à ce que cette souillon sache lire. Et alors? Ce n'est qu'un simple mot pour ses amis des rues. C'est ce que je me suis dit. Mais j'ai voulu en avoir le cœur net. Elle est au courant pour Renard. Elle connaît les détails de l'opération. Je crois que c'est une espionne. Bah, ça m'apprendra à recueillir des orphelins de guerre. Que va-t-on faire? Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Quelque chose est à juste sur la porte.
C'est impossible. Monsieur, garde, à l'aide. Oui, vite, ici, à l'aide. C'est Madame Goose qui m'envoie. Tu as été démasqué. Il faut que tu t'en ailles. Rayom, que s'est-il passé ? Même pas ça. Quatre boissons d'huile. Il y en a avoir deux. Elles ont été amenées ce matin. Ça m'a tout l'air d'être un brigand. Faut l'envoyer à Bicêtre. Vous avez vu, il est là encore une fois. Il est parti. Oh, dear.
Ah, un nouvel initié. Les calices que tu as volés seront utilisés pour le rituel de ce soir. Entre. Ce drôle s'y entend. C'est pas normal. La révolution s'en prend à l'église catholique qui nous a si longtemps réprimés. Bienvenue au culte de Baphomet. Curieux personnage. Frères et sœurs de Baphomet, nous offrons la vie de notre bien-être à toi. Il y a beaucoup de jolies femmes cette année, hein? Comment peux-tu les... Pour le bien de mes frères et de mes sœurs, en bas. Peux-tu les voir avec ces masques grotesques? C'était quoi ça? Le sacrifice rituel a tourné à la boucherie. J'ai pris. Je m'inquiète du nombre de Templiers qui rejoignent notre société. Ils commencent à influer sur les décisions importantes. Je ne m'en soucie pas. Les Templiers depuis des siècles. Très vénéré, évidence, fait toujours autant d'avance déplacée. Madame Tussaud, j'excelle dans la fabrication de statues de cire et de masques mortuaires. J'ai promis à l'Assemblée de faire des masques des victimes célèbres de la guillotine. C'est macabre, mais c'était pour moi le seul moyen de sortir de prison. Et aujourd'hui, quelqu'un a volé les têtes qu'on m'avait remises. Pourriez-vous les retrouver? Une amie a découvert quelque chose qui pourrait vous sembler important. Elle m'a envoyé cette lettre. Selon la rumeur, l'un des soldats gardant la Sainte Chapelle voulait se procurer la tête d'Olympe de Gouges, car il l'aimait en secret. Le juge qui a condamné Hébert souhaitait apparemment conserver sa tête comme trophée. C'est censé être une plaisanterie. Oh,
Vous les avez ? Je vais pouvoir réaliser mes masques mortuaires. Oh, dans quel monde vivons-nous ? Troisième fois en moins d'un mois. Faut bien manger, et vous allez me nourrir? Alors ça me va. La ferme! Qu'est-ce que vous voulez? Les crimes se multiplient. Je peux aider? J'ai les choses bien en main, je n'ai pas besoin de votre aide. Ha! Et tous ces meurtres qui restent sans coupable? Je t'ai dit de la fermer, Vidocq! Réfléchissez! À lui le travail, à vous les lauriers.
Écoutez bien. Si vous résolvez un meurtre, vous aurez droit à une arme du coffre. En attendant, j'ai des choses importantes à faire. Psst, hey! Je connais bien les rues. Je peux t'aider. Pourquoi le ferais-tu? Parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de cet infâme crétin de ministre de la police de lever ne serait-ce que le petit doigt pour donner à un gredin comme moi l'espoir qu'un jour, cette ville ne soit plus la fosse à purin qu'elle est aujourd'hui. Et puis parce que je m'ennuie comme un rat mort. Ah, pour l'amour de Dieu, Vidocq, tais-toi. Les moines m'ont toujours fait froid dans le dos. Rester enfermé dans une grande bâtisse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Attendez-vous à la marche. De quoi m'accusez-vous? Vous ne criez pas beaucoup. Je ne suis pas votre frère. Très fermement. Comment voulez-vous? Je pense que perdre. Seigneur, les frères Stanislas, Bernard, et même le respecté frère Benoît, ensuite frère Jean, tous morts, ça dépasse l'entendement. Dieu soit loué, trois frères ont survécu. Mais je n'ose le dire, serait-il possible que le meurtrier soit l'un d'eux? Non, c'est ridicule. Quel moine serait capable d'une telle monstruosité?
que d'émotions. D'abord, la mort des frères. Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis très là. Ils sont allés se coucher et... il a été impossible de les réveiller. Je suis allé chercher le médecin. À mon retour, j'en tremble encore. Ils étaient tous morts. Et frère Jean était là, étranglé à sa table de travail. J'ai vu un moine là-bas. Il allumait un feu. Un feu, ici, dans la vigne. Je lui ai crié de décamper, et il a pris ses jambes à son cou. J'ai tiré la courte paille. Alors je suis exécution aujourd'hui. Mais, capitaine. Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Frère Jean et lui étaient très proches. Je crains que le meurtre de Jean ne le fasse sombrer dans la folie. La volonté de Dieu échappe aux simples mortels. Nous étudions et prions autant que possible, et nous en distinguons quelques bribes chez les prophètes. Je crois que Nostradamus en est un. La volonté de Dieu échappe aux simples mortels. Nous étudions et prions autant que possible. Il était écrit que les conspirateurs mourraient dans leur sommeil. Jean a été victime d'un fratricide. Est-ce un meurtre que d'accomplir une prophétie ? La prophétie se réalise ! J'en suis la preuve vivante ! À trop lire les Écritures, il a cru que tout était écrit. 9 fois sur 10, c'est le fou qui est coupable. Servez-vous. Les preuves te conduiront au coupable, comme toujours. Tu n'y arrives pas. L'affaire n'est pas simple, hein? Oh!
L'homme qui m'a dénoncé est furieux de me voir échapper à la guillotine. Il a envoyé des hommes à ma boutique pour qu'ils se saisissent de moi. Un divertissement intéressant. Écoute-moi, j'ai dit que je voulais tout ton argent. Mon immeuble. Patience, cette sorcière finira par se montrer. Et ça que. Les ennemis de la Révolution. Elle va tomber. N'approchez pas de ces statues. Je vais te rattraper.